Je m'appelle Charlotte Yonga, je suis artiste photographe. J'ai réalisé quelques pièces vidéo et quelques pièces multimédia. J'entame ma sixième semaine donc en résidence mission. Le programme s'appelle MIAA, c'est Mission d'appui artistique. C'est 6 semaines sur le centre Les Argousiers à Merlimont, pendant lesquelles je suis amenée à rencontrer tous les publics qui passent par le centre et qui séjournent, pour leur proposer une action de médiation, donc de me rencontrer, de découvrir mon travail par le biais d'une exposition qui est accrochée dans le centre. Parfois, je leur fais aussi une petite projection du reste de mon travail. On peut mettre en place, avec les enseignants s'ils le souhaitent et selon leur programme, un geste artistique adapté à leur programme, à leur disponibilité. Alors, un geste artistique, ça veut dire plein de choses. C'est très large comme terme. Ça regroupe des ateliers, enfin des actions qui peuvent s'apparenter à des ateliers. Il y a plusieurs choses. En fait, je travaille pas mal la prise de vue avec eux. Portrait. Donc, je travaille essentiellement autour du portrait. Je leur propose de les prendre en photo individuellement, chaque enfant, et de travailler avec eux, donc du coup la pose, donc ils deviennent modèles, ou de réaliser des sorties photos où je les aide à prendre des photos. Je leur demande de choisir un élément qu'ils ont envie de photographier, ils viennent me voir et on fait la photo ensemble. Et quand ces photos sont faites, je leur propose souvent la technique du cyanotype, qui est une technique photo argentique ancienne qui date de 1843 et qui permet de créer des épreuves monochromes de couleurs bleu de Prusse, précisément. Donc c'est un genre de cyan. C'est une technique qui est très très ludique, très attractive et assez poétique aussi parce que c'est à la lumière naturelle, donc à la lumière du soleil, que les photos peuvent se révéler. Après, avec le groupe d'adultes qui est venu du FIAC de Berck, on a réalisé des photomontages à partir d'images d'archives, de dépliants touristiques, d'images prélevées et récoltées dans les magazines en tout genre, sur la thématique du paysage imaginaire, de l'onirisme et du surréalisme. Mais avoir un rapport plus charnel à la photographie, plus physique, avec les techniques comme le cyanotype, le collage, le photomontage, on est dans un rapport manuel qui reste photographique. Et ça, je trouve que c'est pour les petits et même pour les adultes, je trouve que c'est un bon moyen de transmettre le plaisir de la photographie, sans être dans le numérique et dans la technologie absolument et dans l'outillage photographique qu'on connaît. En règle générale, c'est le waouh de la révélation de la photo, souvent par le biais du cyanotype. Ça, c'est clair que c'est toujours un émerveillement. Et je pense que le contact avec les enfants, c'est quelque chose qui me ravit toujours, en fait. J'aime bien travailler avec des petits groupes et j'aime bien apprendre à connaître les enfants et un peu me nourrir de leur énergie. Parfois, ils nous prennent de l'énergie, mais ils nous en rendent. Donc, en règle générale, je pense que j'ai passé des super bons moments avec les groupes ici. Et ça me fait un petit pincement au cœur quand ils quittent le centre, quand je les ai vus pendant 2, 3 jours. Voilà.